Du haut de ces dunes, 40 000 siècles les contemplent. Et regarde, t'as aussi un coloptère là. Ah, c'est ça les perspectives. D'accord. C'est des dunes rouges à l'infini. Ce rouge, la perte de vue, c'est super. Par rapport à cette immensité, l'être humain est tout petit. Ça nous rend humbles en fait. Sylvie et Jean-Marc en rêvaient depuis 15 ans. Fouler le sable rouge de Sossusvlei. À l'ouest de la Namibie, c'est le plus vieux désert du monde. Un de ces endroits de la planète où la présence d'êtres humains ressemble presque à une anomalie. C'est un chacal ? Une nature grandiose et inhospitalière où ils ont choisi de passer leurs vacances. Ça, c'est de la plage. Ouais. Il n'y a personne. Effectivement, la mer est un peu loin. Un séjour comme une thérapie. Loin de la France, de leur stress et de leur coup de cafard. Le vrai repos, c'est le repos psychique. La plus grosse fatigue, c'est la fatigue psychique et mentale. On se remet plus facilement d'une une fatigue physique, on s'en remet... une bonne nuit et puis ça passe. Donc vous venez soigner un peu votre stress de français ici ? Oui. Oui, c'est sûr. Ce sont les dernières terres vierges de la planète. Des lieux de rêve et d'aventure qui attirent des dizaines de milliers d'Occidentaux venus y cultiver un début de sagesse ou renouer avec leur âme d'enfant. Embouteillage. Mais les déserts sont des milieux fragiles. Des déséquilibres écologiques au déplacement de population. Dans certains pays, ce tourisme d'un nouveau genre peut aussi causer de nombreux problèmes et transformer les voyageurs occidentaux en une proie pour le nouveau business des sables, celui de la prise d'otages. Ils sont pourtant toujours plus nombreux à répondre chaque année à l'appel du désert. On va faire monter la chaleur et se préparer à décoller. En Namibie, pour comprendre toute la magie du désert, il faut s'élever en même temps que le soleil, à cet instant de la journée où le vent a rendez-vous avec la lumière. Pour diriger le ballon, nous allons monter et descendre et nous en remettre au vent. Moi, je ne peux pas tourner à gauche ou à droite. Je ne peux que me déplacer au gré du vent. Libre comme l'air, qui décide seul du sens de leur voyage et qui parfois aussi suspend son vol. Les petits points clairs là-bas, ce sont sûrement des oryx aussi. On est totalement hors du temps et hors de ce qu'on peut voir ailleurs. L'absence totale de population, la terre à l'état brut. Surtout, c'est beau. On est presque sur une autre planète quand on regarde. On n'a pas presque l'impression de ne pas être sur Terre. En tout cas, l'impression d'être dans un endroit unique. Ça, c'est certain. Là, on est un peu chanceux. Hein. Carrément, même. Pour prolonger la magie de cet instant, rien n'a été laissé au hasard. One, two, three. Woohoo! There you go! Well done! Voilà! Pas mal quand même, hein? Au beau milieu du désert,
un buffet grand luxe qui propose quelques spécialités typiquement namibiennes. Il y a du salami de gibier, surtout de l'oryx et de l'antilope. Et là, les tranches très foncées, c'est du zèbre fumé. C'est très bon aussi. Pour profiter des paysages et de la nourriture locale, certains ont fait un très long voyage. Ah, c'est pas tous les jours qu'on mange du zèbre au petit déjeuner. Comme Steve et Jane. Aux États-Unis, nous vivons dans une région très verdoyante, avec beaucoup de pluie. On a mis 3 jours pour venir jusqu'ici. Mais moi, j'aime aller dans des endroits comme ça, en dehors des sentiers battus et différents. C'est ça que je recherche. Ce qui est rare est cher. Et c'est là tout le paradoxe. Le désert est un produit de luxe. Près de la pointe sud de l'Afrique, la Namibie a misé sur un tourisme haut de gamme et s'est fait une spécialité de ses séjours d'exception. Pour Jean-Marc, qui est notaire, et Sylvie, secrétaire de direction, le désert se décline même en version 5 étoiles. Vous avez la piscine, ici les chaises longues, un sofa pour se relaxer. Et si vous voulez dormir sous les étoiles, on peut vous installer le lit sur le toit terrasse. Vous en pensez quoi ? C'est parfait. Magnifique. Ouais. C'est extraordinaire de trouver ça à cet endroit-là. C'est des matériaux qui sont simples, qui sont en accord avec la nature. C'est juste ce qu'il faut, c'est parfait. Pour 15 jours en Namibie, ils auront dépensé plus de 10 000 euros chacun. C'est le prix d'un tel luxe au pied des dunes. Là, on est dans le désert. Vous voyez les dunes rouges. Mais au-delà du prix, ce type de séjour n'est pas forcément celui qui attire le plus les vrais mordus du désert. Pour vivre pleinement leur voyage, certains renoncent au contraire à toute forme de confort. Au nord-est du Tchad, dans l'Ennedi, l'une des régions les plus inaccessibles du Sahara. Les instruments modernes, hein. Avec ça, il n'y a plus besoin de guide. C'est par où alors ? Par là. Ils sont enseignants, journalistes ou ingénieurs. Leur point commun, la passion du désert. Par 40 degrés à l'ombre, leur voyage ne ressemble pas vraiment à des vacances. Après 6 heures d'avion et 3 jours de 4x4 depuis N'Djamena, la capitale, c'est à pied et sans guide qu'ils parcourent le désert tchadien. Oh là là, extraordinaire, mais c'est incroyable, magnifique. Hein. Moins de 100 touristes par an parviennent jusqu'à ces sites uniques au monde. Ils recèlent un trésor archéologique, visible à même la roche, les peintures rupestres. Bon, alors qu'est-ce qu'on a ici ? On a des bœufs, on a des chèvres. L'occasion de se prendre quelques instants pour de vrais explorateurs. Qu'est-ce que ça peut être, cette... Il y a un tout petit personnage, regarde, tout petit. C'est son bébé, son enfant ? Il y a 8000 ans, l'eau coulait encore en abondance dans le Sahara. Tiens, sur les murs de ces grottes, oui, les hommes de l'époque en ont laissé la trace. Ouais. Ouais, c'est peut-être ça. Ah, si. Une girafe. Ah, bah tu vois. La première girafe. La girafe, ça veut dire que c'est plus ancien. C'est plus ancien, la girafe. Ouais. Ça donne vraiment l'impression d'être privilégié d'arriver à voir ça, mais avec une telle quantité, si librement, comme ça, juste en se promenant, c'est incroyable. Certains de ces voyageurs chevronnés ont déjà arpenté presque tous les déserts du monde. Comme Andrea Fogel, un authentique aventurier qui a déjà marché seul 2000 km dans le Sahara pour le plaisir. À pied, on est à la bonne vitesse pour vivre pleinement la spécificité du désert. Son calme, ses détails et ses couleurs. Pour ces 10 jours dans le désert, ils ont renoncé au confort le plus élémentaire. Ils n'ont emporté que le strict minimum. De l'eau, des tentes et quelques vivres. Après une journée de marche, les portions de riz sont plutôt modestes.
venir ici, c'est pas le concept classique de vacances. C'est plutôt autre chose qu'on vient chercher ici ou qu'on vient faire ici. Retrouver des sensations qu'on n'a pas tous les jours, et puis c'est assez éprouvant quand même. Pour les habitués, comme Andrea, l'expérience de ce dénuement a fini par devenir un mode de vie. J'ai vraiment appris à aimer le désert, car il m'a enseigné des choses qu'aucune université n'aurait pu m'apprendre. Penser profondément, clairement, trouver ma philosophie personnelle. Et tout ça, je le dois à ce paysage grandiose. Mais pour d'autres, ces conditions de voyage sont plus difficiles à supporter. Nathalie est la seule néophyte du groupe, et pour sa première expérience du désert, une bonne dose d'humour est nécessaire. Ça fait 3 jours qu'on n'a pas mangé. Attends. Un confort spartiate à un prix 6 fois moins élevé qu'un séjour grand luxe en Namibie. Bonne nuit. Mais leurs efforts vont être récompensés. Après une courte nuit sous la tente ou à la belle étoile, la faim et la fatigue de la veille semblent vite oubliées. C'est beau ce matin, hein, on découvre ce qu'on n'a pas vu hier soir. On était loin de s'imaginer qu'il y avait la montagne quand même. Ouais. Oh, quelques minutes de rêve et de contemplation avant de revenir à des réalités beaucoup plus terre à terre. Je ne peux pas prendre de douche et il paraît que les chameaux ont un très bon odorat. Ici, pas une goutte d'eau ne peut être perdue. L'hygiène à l'occidentale est donc un luxe superflu. Près de 2 semaines sans la moindre douche. Mais pour eux, ces conditions extrêmes font partie du voyage. C'est difficile, mais c'est très agréable au final. Ce sont des voyages qui sont salutaires. Moi, je le conçois comme une cure de jouvence. Une espèce de rupture avec le consommateur occidental, je sais pas. Et puis voilà, quand tu vois ça, c'est énorme. C'est énorme. Au bout de la route, après des jours de voyage, un de ces lieux qui font la légende du désert, la Guelta d'Archeil. Une cathédrale de pierre où les chameaux viennent étancher leur soif et où leurs cris de joie composent une étonnante symphonie. Respect, moi. Le respect, l'humilité. Et c'est très, très émouvant pour moi. Très émouvant. Envie depuis si longtemps de voir ça. Puisque c'est la première fois. C'est con, hein, mais bon. Ce son. Où est-ce qu'on trouve encore ça sur Terre? Il n'y a qu'ici qu'on peut l'entendre et le voir. C'est un peu comme si on était parvenu jusqu'au bout du monde. Il n'y a presque plus d'endroits comme ça sur notre planète. Des lieux d'autant plus rares que les déserts sont aujourd'hui devenus des espaces menacés. À plus de 3000 km de là, les dunes de Merzouga, au sud du Maroc. C'est ici que tous les ans, Damien vient s'amuser avec ses amis. Ils arrivent du nord de la France pour s'adonner à leur passion, le buggy. On a l'impression qu'on vole presque, hein. On a une sensation de liberté, de grands espaces. On sent même plus le sol, ça monte, ça descend. Il n'y a pas de secousse, c'est souple, comme si on volait. On est des oiseaux du désert.
Ouais, super. Un peu dur au début, mais ça va. Regardez. Ouais, c'est un grand, très grand bac à sable. Pour des grands enfants, on va dire. Merzouga, probablement les plus belles dunes du Sahara. Mais le tourisme est peu à peu en train de transformer ce site exceptionnel en un vaste parc d'attractions pour occidentaux. Il y a 15 ans, la ville comptait 5 hôtels. Aujourd'hui, il y en a 77. Les dunes sont un business en or. Entre la balade en chameau et les sorties en quad, ici le désert ressemble à un grand défouloir. Et en la matière, l'imagination des touristes n'a à peu près aucune limite. Bah ça glisse pas très très bien en fait hein, le sable. Moins bien que la neige en tout cas. Mais c'est fun. Mais c'est, fun. Ah ouais. C'est super fun. Puis on bouffe du sable. Allez, c'est parti. Des jeux qu'il pratique en toute insouciance, persuadé d'être en osmose avec l'esprit du désert. On dit c'est pas nous qui laissons la trace dans le désert, c'est le désert qui laisse sa trace dans nous. Et c'est vrai, quand on vient, après on est marqué, elle n'a qu'une envie, c'est de revenir le plus vite possible. Les traces de leur passage sont pourtant bien visibles. Il suffit de faire quelques pas derrière les dunes pour s'en rendre compte. Tu vois, ça c'est une des places où les personnes jettent la poubelle. Depuis 3 ans, Mathias Bazano travaille à Merzouga pour une ONG espagnole. Avec l'arrivée des touristes, il a vu se dégrader l'environnement, comme ces décharges sauvages, où les ordures attendent souvent plusieurs semaines d'être brûlées dans l'unique incinérateur de la ville. Mais il y a pire, c'est le problème des eaux usées des hôtels. Cette humidité, ce n'est rien d'autre que l'eau qui vient des fosses septiques. Donc c'est très sale. C'est très sale, bien évidemment. C'est de l'eau qui est à contact avec les déchets, quoi, l'urine, etc. Cette eau-là, elle va dans la nappe phréatique? Bien sûr. Celle-là est connectée avec la nappe phréatique. Le puits, il va se mélanger avec l'eau de l'aquifère. Les pompes, ils vont la prélever, ils vont l'envoyer dans les maisons, dans les auberges. Et certaines familles vont boire. Elles vont boire cette eau-là? Ils vont boire, on va dire, ils vont pouvoir avoir des problèmes avec une contamination, une pollution biologique de la nappe phréatique. Une nappe phréatique contaminée est bientôt asséchée. Un touriste consomme en moyenne 3 fois plus d'eau qu'un Marocain. Sans parler des piscines qu'il faut remplir. Alors les hôtels ont fait creuser des puits, une centaine en tout, pour contourner le réseau public, confisquant l'eau nécessaire à la vie des populations locales. De plus en plus, le tourisme est en train de réduire les ressources disponibles dans ce cas-là pour l'agriculture. Et ça, c'est un problème très grand parce que ce n'est pas seulement un problème économique, c'est un problème culturel. C'est des communautés qui se sont construites à l'entour d'un développement agro-pastoral. Et maintenant, ils n'ont plus ça. Donc maintenant, ils se trouvent d'avoir seulement le tourisme. Et ça va être de plus en plus comme ça. Déjà, on trouve plusieurs parties de l'oasis qui sont ensablées. Ils sont ensablées parce qu'il n'y a plus d'intérêt à cultiver. Des Marocains ont décidé de réagir. Ce matin, pour les habitants de l'oasis de Mhamid, c'est jour de nettoyage. Il faut que vous repériez tous les déchets et que vous les ramassiez. Et attention, ne mettez pas les boîtes de conserve avec les bouteilles en plastique. Alice Baye dirige une association de défense des nomades. À Mhamid, l'arrivée du tourisme fait aussi sentir ses effets. Chauffe. Ça vient du tourisme. Ça c'est des fruits, des canettes, des beaucoup de gobelets. Chauffe. Alors c'est une poubelle improvisée et ce qui est grave, c'est une canalisation d'irrigation pour la palmeraie. Alors vous vous rendez compte? Ouais. Jusqu'à aujourd'hui, les habitants de Mhamid sont parvenus à maintenir intact leur mode de vie traditionnel. Mais ici, comme à Merzouga, les transformations amenées par le tourisme menacent de devenir irréversibles. En parcourant l'oasis, Alice Baye découvre peu à peu l'ampleur des dégâts. Alors ça, c'est un palmier arraché. Donc au fond, le premier martyr d'un plan de route dans cette palmeraie du drap. Au bord du chemin, des dizaines d'arbres ont subi le même sort. Ici, ça, c'est une piste au fond
qui était assez étroite, mais qui permet de faire le passage de carrioles, de, des ânes, tout ça. Il compte l'élargir environ 6 mètres. Et on voit très bien s'il y a cet élargissement. Il faut arracher tout ce qui est au bord de cette route. Si le plan est exécuté, je crains qu'il y ait des centaines de palmiers à arracher. Un projet de développement touristique décidé par les autorités contre l'avis de certains habitants. Quand je suis arrivé, ils étaient en train d'arracher mes palmiers. Je leur ai dit, qu'est-ce que c'est que ces manières? Si un seul de mes palmiers est arraché, je te tuerai, toi et aussi celui qui conduit le tracteur. Si tu te mets en travers de ma route, je te tue. Alors ils ont arrêté. Ils ont pris leurs affaires et ils sont partis. Il faut noter qu'il n'y a pas une seule voiture, donc il n'y a pas un seul propriétaire de voiture dans la palmeraie de Mohamed. Donc cette route n'est pas pour eux, puisqu'ils n'ont pas de voiture. Voilà. Il y a des bicyclettes, il y a des carrioles comme on avait avec le nettoyage. Donc ils n'ont pas besoin d'une route. Pour moi, c'est discutable. Selon Ali, cette route serait en fait destinée à un tourisme particulièrement dévastateur. Celui des raids et des rallyes. Six heures du matin, 150 voitures partent à l'assaut du désert. C'est le célèbre rallye des gazelles. Réservé aux femmes, il est le chouchou des médias français. Il a conquis une bonne image en cultivant sa différence. Ici, ce n'est pas la plus rapide qui gagne, mais celle qui parcourt le moins de kilomètres. Moins polluante, cette course d'orientation dispose en plus d'un système de ramassage et de tri des ordures. Tout est pensé dans le moindre détail pour que les concurrentes n'aient plus qu'à se concentrer sur leur compétition. Et vous avez le temps de profiter un peu de la région, des pas gens du tout, pas du tout. C'est ce qu'on se disait dans la voiture tout à l'heure, on a pris 2 photos en 6 jours. On voit rien, on voit que ces étendues désertiques et ces plateaux. En fait, on est hyper concentrés. On n'a pas le temps de profiter, de sortir l'appareil photo. Mais les habitants de la région, eux, auraient bien du mal à ne pas les voir passer. Comme Omar, le berger. Entre les voitures, les motos et l'hélicoptère, ces troupeaux ne savent plus vraiment où donner de la tête. Je ne sais même pas qui sont ces gens. On voit ces femmes qui viennent de nulle part. Elles passent à toute vitesse, on leur demande ce qu'elles font là et elles ne nous répondent même pas. Ce jour-là, le rallye traverse sans même le savoir un espace vital pour les nomades. L'un des rares lieux de pâturage de la région. C'est très simple. Pour eux, il y a une zone de défoulement. Point. Il faut dire ça. Parce qu'il n'y a aucune connaissance ni du terrain, ni de l'impact sur les gens, ni du respect de l'environnement. Il serait pourtant possible de concilier le tourisme avec le mode de vie des nomades. À quelques kilomètres plus au sud, une oasis en apporte la preuve. Aménagée par Ali et son frère Labas, ces quelques hectares constituent un sanctuaire pour toutes les espèces végétales de la région. On a planté ces arbres, donc on a à peu près planté 1000 en tout, 500 palmiers. Et le reste, c'est les oliviers, les grenadiers, les tamarins. Tout ce que nous mangeons, tout ce que nous consommons, c'est là. Jamais de produits chimiques. Jamais. C'est bio. C'est bio à 100%. C'est un petit paradis chez vous. Voilà. Notre paradis à nous. Dans une autre vie, Labas était chirurgien en Suisse. Mais il y a 10 ans, il a décidé de revenir au Maroc pour faire revivre l'oasis de son enfance. Tu vois ? C'est là que les animaux viennent boire. Il y accueille parfois des voyageurs, curieux de sortir des sentiers battus par le tourisme de masse. Dans son arche de Noé, il recueille aussi les animaux qui peuplaient autrefois le désert, comme les gazelles, aujourd'hui menacées d'extinction. Amina. Alors il y a maman, la Marianne, et puis au milieu il y a le fils Salim.
et puis Amina à côté. Ces animaux, ils ont besoin de la tranquillité. En voyant un véhicule, c'est comme si tu vois un diable. Et donc les pauvres, elles sont stressées, ils partent. Ils vont là où il ne faut pas. Donc ils quittent leur milieu naturel. Et voilà, et on fait ça maintenant, on fait un peu un sport. Malheureusement, les Marocains eux-mêmes, hein, dès qu'ils ont un véhicule ou une moto, voilà, ils courent derrière et puis ils les tuent. Au Maroc, le tourisme dont rêvent Ali et Labbas avance à contre-courant. Pour se protéger de l'invasion des 4x4, ils ont même dû dresser autour de leur oasis ce mur d'enceinte comme une parenthèse au milieu du désert. L'idée évidemment géniale, c'était de transformer toute cette région en une réserve naturelle. Hein. Mais avec le tourisme, avec la mondialisation, je crois que ces idées, ça devient une petite illusion. Mais si la présence des touristes cause des dégâts, leur départ peut avoir des conséquences autrement plus dramatiques. Aujourd'hui, la plupart des destinations sahariennes sont considérées comme des zones à risque. Le terrorisme y a déstabilisé le tourisme, privant des pays entiers de rentrées d'argent vitales pour leur économie. Tempête de sable sur l'aéroport d'Attar en Mauritanie. Mais la télévision nationale n'aurait raté l'événement pour rien au monde. Plus d'un an qu'aucun avion n'avait atterri sur cette piste. À son bord, quelques touristes français, mais surtout des agents de voyage, invités par le ministre du Tourisme, qui les accueille sur le tarmac. Félicitations. J'espère que ce n'est que le début et ça va présager des jours meilleurs. J'espère que ce vol... L'espoir du ministre, relancer dans la région de l'Adrar, un tourisme qui s'est brutalement arrêté le 24 décembre 2007. Au bord d'une route mauritanienne, quatre voyageurs français meurent sous les balles des terroristes d'ACMI, la branche d'Al-Qaïda au Maghreb. Dans les mois qui suivent, plusieurs touristes et humanitaires occidentaux sont pris en otage et les Français sont désignés comme une cible prioritaire. À la demande des autorités françaises, les tour opérateurs doivent immédiatement quitter le pays. Ils n'y sont pas revenus depuis 4 ans. À Chinguetti, ancien fleuron du tourisme mauritanien, Vincent Fonviel nous amène visiter cet hôtel où son agence de voyage envoyait plusieurs centaines de touristes par an. Les lieux sont à l'abandon. Bon, c'est des endroits qui étaient assez vivants. Quand il y avait du monde, voilà, il n'y a plus personne. Plusieurs dizaines d'employés de l'hôtel ont perdu leur travail. Seul le gardien fait de la résistance. On était une douzaine de permanents dans l'hôtel. Mais il y avait aussi tous les guides et les chameliers qui organisaient les sorties. En tout, 60 personnes vivaient grâce à l'hôtel, sans compter leur famille. Chinguetti, ville fantôme, où une quarantaine d'hôtels et de restaurants affichent tous portes closes. Seules trois auberges sont ouvertes ce jour-là, dont celle d'Abdou. Voilà, maintenant j'ai fait mon petit jardin là, avec le courgette. Avant, il y a beaucoup de touristes, donc les gens commencent à venir, commencent à installer leur maison, leur auberge et tout. Et donc, il n'y a plus de touristes, les gens ils vont aller ailleurs. Après, ici, c'est comme c'est de la ruine, quoi. Personne qui va vivre ici, vivre avec le sable, quoi, c'est pas possible. Et cette année, vous avez combien de clients, alors ? 13 dans toute l'année ? Oui. On peut boire un thé, là ? On peut boire quelque chose ? Oui, bien sûr. Allez, sympa. Soyez les bienvenus. Ce jour-là, Abdou ne vendra que 4 thés, mais qu'importe. Pour lui, l'arrivée de ces quelques touristes entretient surtout l'espoir. J'ai dit, mais je suis content de voir un peu de touristes pour faire des thés que le poussière, quoi. Parce qu'à la porte, il y a tellement de poussière qui vient, mais pas de touristes. Ça fait du bien, quand même. Salam alaikum. Ah, super. Merci. Merci, Choukran.
Ils étaient quelques dizaines de touristes dans cet avion. Répondant à l'invitation du gouvernement mauritanien, tous conçoivent leur présence dans la région comme un acte militant. Ils avaient fait de gros efforts pour développer tout un tourisme intéressant, solidaire, équitable, et qui faisait vivre toute une partie de la population. Et on se sent responsable, même en tant que simple touriste, de cette économie qui s'est montée, quoi. Vous êtes des touristes militants? Un peu. Oui, en tout cas, sur ce voyage, on se sent un peu comme ça, ouais. En faisant ce voyage, on fait en quelque sorte une démonstration qu'on peut venir ici et qu'il n'y a pas de danger. Un message en direction des autorités françaises pour contester le blocus touristique qui frappe la Mauritanie. Certains tour opérateurs, comme Gérard Guerrier, affirment que le risque terroriste serait désormais sous contrôle et qu'il pourrait y ramener des touristes. Mais la loi française les en empêche, à cause de cette carte du ministère des Affaires étrangères qui classe Shingeti en zone rouge. La loi vous dit que si vous envoyez des clients, par exemple, en zone rouge, il vous arrive un pépin, eh bien, vous allez payer tout ce que l'État va engager pour récupérer vos clients. Je vais risquer ma boîte, parce qu'en fait, je coule ma boîte si je fais ça. Je me demande si les gens qui mettent ces couleurs se rendent compte des conséquences économiques que ça a sur le terrain. Depuis l'arrêt du tourisme, la famine se répand dans cette région, déjà durement frappée par la sécheresse. Privées d'une de leurs seules sources de revenus, 20 000 personnes seraient aujourd'hui menacées. Sur le bord de la route, nous sommes attirés par les cris d'un animal. Triste fin pour ce chameau qui vient d'être vendu à la boucherie. Il y a quelques mois encore, il transportait des touristes. Mais son propriétaire a dû se résoudre à s'en séparer. On peut juste lui demander combien il a de chameaux. Il y en a que deux seulement. Depuis. Et avant, il en avait plus ? Il y a 10. Il y avait une dizaine. Il les a tous vendus, quoi. Au fur et à mesure, il les vend par besoin. D'autres n'ont déjà plus rien. Et pour survivre, ils ne peuvent plus compter que sur le travail des humanitaires. Dans les faubourgs d'Attar, comme tous les matins, Geneviève Courbois est très attendue. Ça va, moi, Chine ? Bonjour Kaber, tu vas bien ? Eh, assalam alaikum mes chéris ! Comment ils vont mes petits chéris ? Ils sont plus de 600 enfants à survivre grâce à celle qu'ils appellent Aïcha. Bonjour. Je les aime tous, mais il y en a que j'ai vraiment sorti du fond, et celle-là, elle est déformée de partout, mais je l'adore, je l'adore. Là, voilà, c'est ma petite Degbaga. Ici, les enfants viennent d'abord pour être nourris. 1/10 souffre de malnutrition aiguë. Et pour certains, cette bouillie sera le seul aliment de la journée. Tu vois, ces enfants, il faut patienter. Là, il y en a qui n'ont pas mangé ce matin. Regarde ça. Autrefois, Geneviève était guide touristique en Mauritanie. Aujourd'hui, avec des moyens de fortune, elle consacre sa vie à la protection et à l'éducation de ses enfants. En fait, l'arrêt du tourisme, c'est une catastrophe pour ses enfants. C'est pas une catastrophe, c'est des enfants qui en meurent. C'est des enfants qui en meurent, mais il faut en être conscient et il faut le dire. Et moi, ici, cette maison, c'est la maison du bon Dieu, j'allais dire. Parce qu'ils viennent, ils savent qu'ils ont à manger. Nous avons un devoir, nous les Français, de sauver ce pays et de faire revenir les touristes qui amenaient de quoi nourrir toutes ces familles. Il a quel âge ? Au dispensaire, Martine, une infirmière à la retraite, est venue bénévolement prêter main forte à Geneviève. D'accord, c'est pas la même couleur. Mais les moyens dont elle dispose sont loin d'être suffisants. Je suis pas médecin, donc j'ai pas de médicaments. On a quelques antibiotiques, mais très très basiques.
du paracétamol pédiatrique en sirop, en poudre. J'ai de l'antidouleur. Alors ça, c'est pour le lavage des yeux. Ça n'est plus comme il y a quelques années où les équipes médicales venaient là pour 8 jours, 10 jours. Et puis elles étaient là et tous les enfants y passaient, et les adultes et les personnes âgées. On nettoie les yeux ? Allez, on nettoie les yeux. C'est un petit peu... Avec l'arrêt du tourisme, les ONG ont elles aussi perdu leur lien privilégié avec la France. À l'époque du tourisme, c'était l'époque des charters qui débarquaient début octobre et qui se terminaient fin avril. Donc les équipes médicales venaient, j'en avais quatre fidèles qui venaient. Avec des médecins ? Des médecins, des gynécologues, des dentistes, des infirmiers, des kinés, avec du matériel. C'est fini, parce qu'il y a un problème d'assurance, ils ne veulent pas venir parce qu'il n'y a plus, le Quai d'Orsay leur a interdit de venir, donc les assurances ne marchent plus. Donc il y a tout cet impact-là aussi qui est négatif. Dans les locaux de l'association, nous faisons la connaissance de Kaber, le papa de la petite Dekbaga. Il était chauffeur pour les touristes. Ruiné, il survit aujourd'hui avec ses enfants dans le quartier d'Aknamarit, le bidonville d'Attar. Salam alaikum. Combien tu as d'enfants ? J'ai 5 enfants. 5 enfants qui vivent là ? Oui, d'accord. Et tu vis là ? Tu as des couvertures pour toute la famille ? Oui, j'ai des couvertures. Un autre de ses enfants souffre de malnutrition. S'il y avait du tourisme, on peut travailler, on peut gagner, parce que ce terrain-là, je l'ai acheté le temps où il y avait du tourisme. Je l'ai acheté à 350 000 ou bien 350 000, ça fait à peu près 1000 euros. Tu vois, et je l'ai quitté, payé le monsieur pendant 4 ans. Mais ces années fastes sont bien loin. Aujourd'hui, Kaber n'a même plus de quoi acheter des briques et du ciment pour finir sa maison. Chaque fois, je choque quand je vais chez eux. Je peux pas accepter qu'ils vivent comme des animaux. Parce que là, ils vivent comme un animal. C'est pas possible. D'après Geneviève, c'est parmi ces populations affamées qu'Akmi viendrait aujourd'hui recruter ses futurs combattants. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise ? Tous, ils sont tous comme ça. Ceux qui sont malins, ils veulent s'en sortir, et je les comprends. Alors ils volent, ils tuent, ils se battent. Les querelles commencent à venir à travers les familles, et puis ils vont chercher l'argent là où il y en a. Là où il y en a. Et là où il y en a, ben c'est Akmi. C'est des bandes rebelles, c'est des trafiquants qui passent et qui profitent du système, de cette pauvreté. C'est des gens qui déstabilisent le pays. Voilà le drame de ce pays. Pour les Mauritaniens, la solution se trouve peut-être à quelques milliers de kilomètres de là. Sur les bords de la Seine, le ministère des Affaires étrangères. Gérard Guerrier, l'un des agents de voyage, a rendez-vous au centre de crise. C'est ici que la France décide du tracé des fameuses zones rouges. C'est pas nouveau. On pense que depuis en gros 3 ans, si vous voulez, les autorités mauritaniennes ont pris des mesures quand même assez significatives pour lutter contre le terrorisme. Et puis on mesure les effets du manque de tourisme dans la zone de Attar notamment, où la pauvreté s'accélère. Si on pouvait éviter une Somalie à 2 heures d'avion de la France, ou 3 heures, ce serait pas mal quand même. Ce qui veut dire... Son objectif, obtenir la modification de cette carte pour pouvoir ramener les touristes en Mauritanie. Mais Serge Mostura, le directeur du centre de crise, a de solides arguments à lui opposer. La zone rouge, c'est le premier rayon d'action d'ACMI. Ils partent de cette zone avec 4 ou 6 4x4, des types armés, et ils peuvent... Voilà. Couvrir sensiblement cette zone en rouge. Algérie, Mali, Niger, au nom du principe de précaution, les pays de la région ont basculé en zone rouge. Est-ce qu'il n'y a pas un paradoxe ? On interdit aux touristes d'aller à Shingeti. Est-ce qu'on ne donne pas gain de cause à Akmi en faisant ça ? Le but des terroristes, c'est de fragiliser les États. Donc nous répondons en augmentant notre aide, en développant nos programmes de coopération. Je ne pense pas qu'envoyer des touristes
ce soit la solution. Hein. Ce n'est pas en sacrifiant des touristes qu'on va rétablir l'économie de la Mauritanie. Le pays restera donc en zone rouge. Mais les amoureux du désert refusent de s'avouer vaincus. Certains vont chercher toujours plus loin de nouvelles destinations. Nous sommes de retour au Tchad, plein nord, aux portes d'un autre désert, le Tibesti. Ah ouais, là c'est super ça. Hein. Ça c'est un bel endroit. Hein. On peut faire un camp de base ici, l'oasis c'est pas très loin. Hein. Hassan, qu'est-ce que t'en penses ? La région est encore totalement inaccessible aux touristes. Maurice Freund est en plein repérage. C'est merveilleux ici. Hein. Donc ce qui est intéressant, c'est de trouver les endroits où on est coupé du vent, dans lesquels on peut donc s'organiser pour faire la cuisine le soir et tout ça. Quoi. Voilà. Pionnier des voyages sahariens, Maurice Freund est une figure du tourisme en Afrique. Il est le premier à avoir amené des touristes dans les régions réputées difficiles du Mali, du Niger ou de la Mauritanie, transportant jusqu'à 75 000 voyageurs par an. Il rêve de faire découvrir aux Occidentaux cette région du Tchad dévastée par 40 ans de guerre. Avec le retour de la paix, il y a 3 ans, les autorités françaises ont officiellement sorti le pays de la zone rouge, rendant possible la venue de touristes dans la région. Tous les amoureux du Sahara rêvent de venir dans ce lieu-là, quoi. Et les endroits les plus forts. Et comme il a été inaccessible, le phénomène est rendu encore de manière plus évidente, plus forte, quoi. Mais ce site prometteur est à 4 jours de mauvaise piste de N'Djamena, la capitale. Pour y amener les touristes, Maurice Freund s'est donc lancé un pari un peu fou. Faya Largeau, l'unique ville de la région. C'est ici que Maurice Freund a découvert l'existence d'une piste d'atterrissage. Un aéroport du bout du monde sur une base militaire que se partagent les armées françaises et tchadiennes. Son défi, faire atterrir ici un Boeing 737 avec à son bord 50 touristes français. Donc comme on peut constater, l'aéroport, le tarmac, il est vide. Il n'y a jamais eu d'avion civil, jamais de vol international. Donc c'est quand même une grande première. Pour des raisons de sécurité, les autorités françaises voient cette opération d'un mauvais œil. Commandant ! Mais pas question d'y renoncer. Maurice Freund se prépare depuis 1 an avec les responsables locaux. On va y arriver. Hein. Il faut que ça réussisse. Absolument. Attention. Même si nous sommes dans l'informel, il faut que ça réussisse. Avec le commandant de l'aéroport, Maurice Freund a dû remettre aux normes cette vieille piste d'atterrissage. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a 1 an, ici, la VHF, un chef ne fonctionnait pas, qu'il n'y avait pas de camion pompier, que tout ça était installé pour l'arrivée de cet avion. Et donc, je suis quelque part le sauveur du commandant de l'aéroport de Faya. Donc, on a mis la HF, la VHF, on a amené en 12 jours un camion pompier, tout ça. Voilà, pour qu'on ait toutes les conditions maximales de sécurité. Mais il reste encore bien des difficultés. Comme l'électricité. Oui. Pour fonctionner, l'aéroport dépend de ce groupe électrogène. Oui, ça marche très bien, il va démarrer tout de suite. La batterie faible. Tu essaies de voir. Une démonstration qui laisse Maurice Freund songeur. Et ça marche au gazon. Ah oui. Et les problèmes s'accumulent. À commencer par le manque de kérosène pour faire voler son avion. On a un problème fondamental avec le carburant, puisque le seul dépositaire du carburant, c'est l'armée française qui dispose de cuves de 200 000 litres. L'armée française, après nous avoir, dans un premier temps, autorisé, actuellement se refuse de nous fournir de carburant. On y va, tu montes là-bas. Une décision de ne pas ravitailler prise par l'État français pour le dissuader d'amener des touristes dans la région. Pour trouver du carburant et surtout une pompe capable de remplir son avion, direction N'Djamena. 3 jours de piste à travers le désert pour vérifier lui-même la conformité du matériel. Sur
contrôlant. Hein. C'est ce qu'il faut faire pour poser un avion. La perle rare se trouve au fond de ce hangar. L'embout, l'accrocheur, il nous met sous l'aile de l'avion pour mettre le carburant. Oui. Une pompe, apparemment conforme aux standards internationaux, reste à acheminer le matériel jusqu'à l'aéroport. Vous voulez mettre quoi à faire exactement? En fait, le kérosène, on veut le mettre là-haut, mais il faut qu'on transporte le kérosène là-haut. On avance dans le bon sens, quoi. Donc il va falloir régler les problèmes techniques, la pompe, les accessoires sont là, le camion-citerne devrait pouvoir partir pour monter, parce qu'il nous reste 10 jours maximum, même pas. Il nous reste 9 jours physiques. Or, un camion qui monte à Faya, il met 7 à 8 jours. Donc on est dans des temps extrêmement serrés. Voilà. Et pour ouvrir au tourisme cette nouvelle destination, son parcours du combattant est loin d'être terminé. En l'absence d'hôtels, de guides locaux et d'itinéraires balisés, Maurice Freune va devoir convaincre les tribus nomades d'accueillir chez elles les touristes français. Bonjour, ça va? Ah, j'ai bien dormi, oui. Je m'appelle Idriss. Très bien, Idriss. Moi, c'est Maurice. Maurice, c'est derrière moi, touriste, c'est bien. Une réunion est organisée avec le chef du village. Voilà, le chef venait à côté de moi. Quoi? Ici, le souci principal pour nous, c'est de créer un camp de base pour que les gens puissent, à partir de ce village, aller faire des promenades et randonnées à pied autour d'ici, et donc que les gens puissent être hébergés ici. Il est très content de vous accueillir ici. Oui. Il est prêt à vous aider pour répondre à votre aspiration. Ok, ça c'est bien. Il faut qu'on puisse travailler beaucoup. Il faut que ça puisse aller mieux ici. Il faut que les enfants puissent aller à l'école, que de l'argent soit gagné, que vous puissiez avoir de la santé. Parce qu'on apporte. On peut apporter beaucoup de choses. Les hommes sont vite conquis par les arguments de Maurice Freund. Mais certaines différences culturelles vont tout de même apparaître au cours de la conversation. Hein? Alors on compte sur vous, bien sûr, sur les hommes, mais on compte aussi beaucoup sur les femmes qui savent faire tout ça. C'est important. Hein? D'accord. Et les femmes sont d'accord? Est-ce que tu peux demander aux femmes si elles sont... C'est les hommes qui sont responsables. Oui, je sais bien, je sais bien. Mais tu sais, chez nous maintenant, c'est les femmes qui commandent chez nous. Dis-lui que chez nous, c'est l'inverse. C'est pourquoi tu viens chez nous, non? Si c'est à cause de l'inverse que vous venez chez nous. Voilà. Tu viens de l'expliquer tout à l'heure. Dans 3 jours, et les premiers touristes arrivent ici. Dans 3 jours. Mais l'année prochaine, c'est toutes les semaines à partir d'octobre, il y a des groupes qui vont venir. Donc ça, il faut qu'on prépare ensemble. Vous pensez vraiment que les touristes vont aimer vivre dans ce genre de... Absolument. C'est un peu spartiate, non, comme confort? Nous, on a tout le confort en France. Le plaisir, c'est effectivement de pouvoir partager avec eux le maximum de choses et leurs conditions de vie. Dans la région, l'une des 10 plus pauvres d'Afrique, l'arrivée de ces touristes est une petite révolution. Elle cristallise l'espoir de tout un peuple. Sur le tarmac, c'est l'heure des derniers préparatifs. L'avion doit atterrir le lendemain. Mais un coup de théâtre menace de tout remettre en cause. Maurice Freund a réuni les responsables locaux de la sécurité. En général, bonjour. Les autorités françaises lui demandent d'annuler son vol. Un informateur leur aurait fait part d'un risque d'attentat au missile SAM-7 contre son avion. Mais les Tchadiens contestent l'information. Armée, il faut que tout le monde se rassure que ici, quelle que soit la personne qui vient, on est au courant. Le SAM-7, c'est pas quelque chose qu'on met dans la poche. Non, c'est sûr. Selon Maurice Freund, il s'agirait d'une fausse rumeur relayée par les autorités françaises pour le dissuader de faire atterrir son avion. Depuis le moment où on a décidé de faire ce vol sur Faya-Largeau, nous avons des pressions de tous les côtés et sans arrêt. Mais encore, pas plus tard que hier, on a reçu encore un courrier supplémentaire des affaires étrangères françaises nous demandant d'arrêter cette opération. Donc, ce sont des arguments qui ne sont pas suffisants. Nous irons jusqu'au bout, mais toutes les pressions existent. Pour en avoir le cœur net, il se rend à la caserne de Faya-Largeau.
Sur le terrain, les militaires français ne croient pas à l'hypothèse d'un attentat et confirment les informations des Tchadiens. Rassuré, Maurice Freund décide de maintenir son avion. C'est le grand jour. Il est 16 heures et la tension est à son comble. Sur cette piste, l'avion ne peut pas se poser de nuit et il a déjà 5 heures de retard. Oui, monsieur le directeur. Oui, bonjour. Bah, écoutez, moi, ça chauffe un peu parce que là, on va être coincé, là. Ok, je vous remercie beaucoup, monsieur le directeur. On vous sent fatigué, là. Là, je commence à saturer, oui. Et finalement, à l'heure de la prière, juste avant la nuit, celui qu'on n'attendait plus. Ok. Ça y est, regardez les phares. Où ? Qui va les phares ? Ah oui, ça y est. Ça y est. Terminé. La gloire est au sol. Monsieur Boris. Bravo pour vous. C'est fini, l'avion est au sol. Terminé. Un avion qui récompense 30 ans de passion pour le vieux lion du désert. Ils étaient 50 ce jour-là à débarquer à Faya Larjo, plus militants que touristes. Venus tendre la main à des populations coupées du monde. À la découverte de cet espace aux frontières incertaines, souvent battu par les vents mauvais de la guerre et du terrorisme. Mais où parfois, les rêves d'un homme peuvent encore devenir une réalité.